Alors, est-ce que tous les êtres humains sont sauvés à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus? Non, selon la parole de Dieu, seuls ceux qui reçoivent par la foi le cadeau du salut sont sauvés. Donc, ce n'est pas tous les êtres humains, mais seulement ceux qui reçoivent par la foi l'œuvre du Seigneur Jésus Christ. Maintenant, vous pourriez me dire. Quelle sorte de foi au juste? Qu'est-ce que c'est que la foi salvatrice, la foi qui sauve? Vous savez comme moi qu'il y a différentes sortes de foi dans le monde. Par exemple, il y a la foi qui n'est qu'une adhésion intellectuelle à une vérité historique. Par exemple, des personnes vont dire, je crois que Jésus a, a vécu, qu'il existait, qu'il était sur la terre. Donc c'est une adhésion intellectuelle à une idée. Mais ça, ce n'est pas la foi salvatrice, la foi qui sauve. Il y a aussi une foi qu'on pourrait appeler la foi temporelle. Par exemple, quelqu'un ne se soucie en général jamais de Dieu. Mais un jour arrive une épreuve monstre, par exemple une grande maladie, et cette personne se tourne vers Dieu, le temps d'être secouru, mais une fois que le secours de Dieu vient, alors par la suite, on ne se soucie plus aucunement de Dieu. Donc c'était une foi temporelle. Et ça, ce n'est pas la foi qui sauve, ce n'est pas la foi salvatrice. Alors qu'est-ce que c'est que la foi qui sauve la foi salvatrice La foi salvatrice, c'est placer toute notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ seul pour notre salut, et nous reposer en lui, en ce qu'il a accompli. Cette foi-là nécessite que nous cessions de nous confier en nous-mêmes pour le salut, mais nous nous confions uniquement en Jésus-Christ.